la Grande Trace, elle a la particularité de se passer à la fois du côté d'Évoluy et à la fois du côté Lussacrotte dans la Drôme. Dans deux ans, nous, quand on va revenir côté d'Évoluy, on a bien l'idée de faire une Coupe du Monde. Donc voilà, si on passe un cran, on essaie de faire en sorte que le ski alpinisme soit connu, un peu plus reconnu. Le site a un potentiel, un petit peu de passage sur piste et puis tout de suite on peut être bien en dehors sur des parties complètement sauvages. Faire une Coupe du Monde qui aurait quand même un côté ski alpinisme, pas faire simplement un truc sur piste. Voilà notre idée, en tout cas notre objectif. C'est bien de commencer comme ça en se faisant plaisir sur un terrain de jeu qui est fabuleux. Avec un peu de spéléo, avec du showroom, avec des trucs très nerveux, plein de montées, plein de manifs. Ça change un peu des petites indies qui sont pas forcément tout le temps du beau parcours en pleine montagne. Même si on est souvent la tête dans les skis, le fait de faire un beau parcours, tu prends deux fois plus de plaisir. C'est ça qui est sympa et c'est pour ça qu'on vient sur des courses comme ça aussi. Ouais. Particularité, c'est vrai, dans le Évoluy, lorsqu'on parle de showroom, il y en a qui disent le showroom, showroom, mais on dit le showroom, C-H-O-R-U-M, c'est une grotte grande par une cavité, on sort 200 mètres de dénivelé plus haut par un autre endroit. Et cette grande trace, on a fait passer les coureurs, 300 coureurs, dans les showrooms du Évoluy. C'est que du bonheur, génial le parcours. On l'attend avec impatience et pas déçu. Alors la grande trace en périphérique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, on s'est retrouvé dans le mur, là. Il y a 13 ans, en minime. Ah, c'est un beau moment, c'est un beau parcours, là. La vraie montagne. Allez, bravo, bienvenue au showroom de Costebelle. Ici, vous déchaussez les skis, vous mettez les skis à la main, pointe à l'allumée, vous partez pour de la spéléologie. C'était superbe. J'ai peur. C'est incroyable et c'est extrême à la fois. Fin chemin. Merci. De fou. Ouais, c'est bien. Vous êtes des dingues. Ah, c'est classe. Au moins, on vient pas pour rien. Donc une équipe de bénévoles démente, 400 bénévoles qui ont installé tout ça, 300 coureurs. C'est super grandiose, là on a vu des chamois, il y a des montagnes que nous, on vient des Alpes du Nord, on n'a pas l'habitude de voir quoi, donc c'est dépaysant. Ouais, c'était les vacances quoi. Ouais, enfin bon. Là je pense que j'ai insulté toute l'organisation dans ma tête, mais à la sortie je dis ah non mais en fait c'était bien. Mais la grande trace c'est un peu comme un accouchement en fait, pendant qu'on est dedans on se dit mais c'est pas possible, puis en fait c'est trop bien. Une fois de plus la grande trace... Ils assurent grave.